Nathalie Thompson. Je vous repose la question. Encore une fois, devant la caméra, vous êtes sûre de ne pas vouloir faire appel à un avocat ? On n'est pas besoin. Vous êtes suspectée d'avoir participé à l'enlèvement de Léo Newman. Sans commentaire. Non, madame. Tout ça est forcément un horrible malentendu. On ne peut pas savoir si c'est une revendication terroriste, pour des raisons politiques ou une simple extorsion. Un jeune homme, Léo Newman, a été mis de force dans une valise par un gang masqué. Et la police de New York a fiché 4 suspects. Catherine Newman, je n'arrive pas à imaginer l'épreuve que vous traversez ces jours-ci. Une mère qui aime son fils. Et qui veut qu'on le lui rende. On a été piégés. Pourquoi nous ? Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a en commun ? On est tous britanniques. Et on était tous à New York quand Léo s'est fait kidnapper. Franchement, est-ce qu'on a des têtes de kidnappeurs ? Ça a quelle tête un kidnappeur ? La vôtre. Sans preuve de notre innocence, j'ai bien peur que les dégâts soient irréparables. Je vais tout arranger. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites ? Non, mais je peux plus reculer. On ne me trouvera pas crédible dans mon rôle de mère. Je suis PDG dans un premier temps. Discrétion jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'options. Première page de notre manuel. Sauf que je ne me souviens pas du chapitre où il est question du kidnapping d'un enfant. Vous êtes reine de la communication à qui l'on demande justement de communiquer en échange de la libération de son unique enfant. Ces personnes demandent uniquement la vérité. On s'enfonce un peu plus chaque minute. Aujourd'hui, il y a encore une chance que les gens comprennent ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Vous avez sous-estimé ces suspects depuis le début. La vérité va bien finir par se savoir.